dans le salon, celui-là même qui vit dans les ténèbres. Vous avez vu l'appel. C'est-à-dire que comment tu peux appeler quelqu'un? Comment tu peux appeler quelqu'un pendant son émission et tu dis, la personne te dit c'est pour poser question, tu dis à la personne, toi-même façon tu es là, tu lâches dans ton émission. Enfin, je veux dire, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est vrai, c'est drôle, on en rigole, mais est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un appelle une grande dame que je suis, celle-là même qui fait aujourd'hui la fierté de la télévision ivoirienne? Parce qu'il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Tu peux ne pas m'aimer. Tu peux ne pas m'aimer. Je ne cherche même pas à plaire. Parce que quand tu plais à tout le monde, c'est que tu n'as pas de chance. C'est que tu n'es pas né pour réussir. Donc il faut aussi que tu aies des ennemis. Ce sont les ennemis qui nous permettent en fait d'évoluer et d'être de plus en plus performants. Comprenez un peu le truc. Je ne cherche pas à plaire. Mais Yedi, même si tu ne m'aimes pas là, il faut reconnaître quand même ce côté-là. Qu'il est fini avec ça. Quand on dit qu'il draine du monde là, voilà elle qui est assise là. Donc ce qu'il fait au dû là, tu peux dire ce que tu veux. Elle n'a pas fait formation de télévision, d'animatrice, de temps en temps. Mais Yedi, on parle d'audience. On parle d'audience. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On parle d'audience. Oui, il n'a pas suivi formation de journaliste, d'animatrice ou animateur. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand on dit audience là, qui dit? Quand on dit audience là, qui dit? Ben c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens, ils cherchent les choses authentiques. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Bani. Voilà. On n'a pas le temps des crabes, des criquets, des sauterelles et des tilapias. Voilà, ici c'est les caviars. Ici, c'est les caviars. Attends, il y a quelqu'un qui a posé question. Il y a le bloqué. Ah bon, ok. J'ai cru que c'était un Yougo. Il allait bloquer ça. On n'est pas ici avec des tilapias, des batraciens. Ici, on est entre caviar, on est entre champagne. Ici, on se parfume. Ici, on sent bon. Ce n'est pas les djegaouroua, les trois chats, odeur même qui donne sinusite. Donc, s'il vous plaît. Les Yougos, allez voir ailleurs un peu là ici. C'est une petite réunion. Voilà, c'est une petite réunion de. Attends, je vais bloquer ça. Voilà. Vous avez des femmes comme ça. Des femmes comme ça qui sont des photocopies. Ça veut dire qu'elles ou elles sont là. Ça fait des années, elles n'ont même pas encore touché 10 000. Ça fait des années, elles n'ont pas touché même 50 euros. Garçon même n'a jamais dit tiens 10 000, tiens 50 euros. Bon, elles sont frustrées. Donc, quand elles viennent vers mon direct, elles mettent des commentaires frustrés, des commentaires sombres, comme leur vie. Moi, je bloque tout ça, je n'ai pas ce temps-là. Donc, c'est ça. Donc, vous allez parler là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On parle de la pratique. Voilà. Donc, la personne qui n'aime pas mon émission, là, elle passe son chemin. Je ne demande pas à tout le monde de suivre mon émission. Ma cible, c'est les caviars. Allô là, allô caviar là, c'est pour les caviar, c'est pas pour les djegaouroua, les koutoukou, non. Donc si ça te plaît pas là, tu zappes la chaîne, tu vas ailleurs, tu vas regarder autre chose. Non, nous on est dans la qualité, on n'est pas dans la quantité. Donc, je ne peux pas être dans mon émission et puis un yougos, un dormeur dans le salon va appeler pour me manquer de respect. Des gens qui appellent en fait, il y a des gens qui veulent saboter mon émission. Il y a des gens qui veulent boycotter mon émission. C'est-à-dire que qui appellent pour dire des choses bizarres, pour faire un peu bizarre. Mais vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Ben moi là, pour moi là, on appelle ça inspiration divine. Pour moi, on appelle ça don de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ça. C'est Dieu qui a sa main sur ce que je fais. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, ça ne va pas arriver quelque part. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va filtrer. L'émission vivra. Oui. Parce que c'est une émission qui cartonne. C'est une émission qui bat des records. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu vas parler, tu vas être assis dans ton salon, tu vas parler, tu vas gonfler ton nez. Tu vas être jaloux.